Bonjour, bienvenue au Palais Vivienne. Entrons dans le Palais Vivienne, non loin des grands boulevards à Paris. Un écrin magnifique de 600 mètres carrés sur deux étages pour accueillir toutes ces pièces relatives à Napoléon Ier. Alors ici, on est dans le Salon des Chasses, qui est une salle totalement 18e, où j'ai mis un certain nombre d'objets de l'empereur. La grande tapisserie d'Aubusson qui représente Napoléon au costume du sacre, et le buste de Napoléon par Canova, enfin de Bonaparte, premier consul par Canova, qui est une des rarissimes sculptures originales du maître italien. Le mobilier est le mobilier du maréchal Berthier, donc tout ça c'est en acajou. La liste de ces objets précieux est longue, car Pierre-Jean Chalençon n'est pas moins que le plus grand collectionneur au monde du Premier Empire. Je suis tombé dans Napoléon, j'avais 8 ans. Je suis né à Rueil-Malmaison à 23 juin, comme Joséphine, pas la même année. J'ai beaucoup de points communs avec Joséphine, mais surtout avec Napoléon. Je ne suis pas une réincarnation, je ne suis pas pareil à ce point-là. Mais je pense que quand on aime les choses, il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, quoi. En une quarantaine d'années, celui que l'on surnomme l'empereur a ainsi acquis une profusion d'objets. À 90%, je sais où se trouvent les choses, mais des fois, je me dis, mais je les ai mises où? C'est dans un bordel absolu, donc je sais. Je sais qu'on ne me les a pas volés, parce que personne ne rentre dans certains endroits, il n'y a que moi. Mais c'est par strate. Voilà, je suis un grand bordélique, même si je sais à peu près à 90% où tout se trouve. Alors là, on va dans la petite salle à manger, j'appelle cette pièce le Salon Murat. Tout ça, à 90%, c'est Martin-Guillaume Viennet. C'est la table de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, seconde épouse de Napoléon. Pierre-Jean Chalençon est connu comme le loup blanc dans les ventes aux enchères. Sa simple présence suffit à faire monter les prix en flèche. Adjugé ! Je n'achète pas tous les jours. Et puis les objets ont beaucoup, soit ont perdu, soit ont beaucoup gagné ces derniers temps. Donc comme mes moyens ne me permettent plus d'acheter grand-chose, le palais me coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. Donc j'ai un peu décéléré les acquisitions. Mais j'ai tellement de choses que je pourrais même en revendre. Ça ne serait pas grave. J'aime mes objets, je les ai acquis avec passion, souvent sans avoir l'argent d'ailleurs. J'ai toujours trouvé l'argent après, économisé, revendu, emprunté, etc. Ah. Et c'est justement en notre présence 15. Que notre collectionneur se lance dans une nouvelle acquisition. Ça sera une affaire donc conclue. J'ai acheté une très belle pendule qui vient du duc de Caraman et qui est une pendule d'époque empire assez sublime que j'attendais depuis 15 ans. Alors, je ne pensais pas la payer ce prix-là, mais enfin 15 000, c'est une vraie belle pendule, c'est assez exceptionnel, donc voilà, je suis très content. Je vais revendre un objet. Et même si le Palais Vivienne est un musée privé le jour, il devient une résidence le soir venu. Ah, je vis ici, moi. Quand c'est pas loué, je vis, c'est mon salon. Je bois une bouteille, un cognac, j'écoute la musique. Là, c'est une table où j'aime bien dîner le soir aux chandelles. Vous savez, quand on a la chance d'avoir autant de pièces, ce serait ridicule et dommage de ne pas bouger. Donc là, c'est un endroit où j'aime dîner le soir, qui est assez cosy, où après j'aime bien prendre un verre de cognac, écouter de la musique, où j'aime bien venir dîner ici. C'est un peu loin de la cuisine. Alors souvent, quand c'est vraiment des plats très cuisinés, on nous dit non plutôt dans le salon des chasses. Derrière une personnalité haute et en couleur, Pierre-Jean Chalençon est aussi un businessman avisé. Il expose parfois sa collection privée à l'autre bout de la planète. J'ai amené Napoléon en Chine, je l'ai amené aux États-Unis, je l'ai emmené en Amérique du Sud. Et là, j'amène Napoléon en Russie à nouveau, donc j'en suis très fier. Et prochainement, ce sera aussi à Nice. Un one-man show consacré à Napoléon est également en préparation pour la fin de l'année. Une passion que Napoléon, finalement, lui rend bien. Lui, au moins, ne me trahira pas. Thank you.